Ok, donc est-ce qu'on peut avoir tes réactions sur le match? Avec plaisir.
attendu jusqu'au bout. J'étais 86e, donc c'est vrai que là, on s'en remet tout juste avec Albi a composé une grosse défense et il mal jusqu'au bout. Est-ce que tu penses que les joueurs de Albi étaient plus forts que ceux de la semaine dernière contre Angers? Ils avaient plus de cœur, on va dire, en défense. Et, ouais, plus, ils étaient partout sur le terrain. Okay. Et est-ce que la remontée en top 14 va être possible encore cette année? Ouais, on voit qu'on est là, ce soir on est deuxième, donc je pense que c'est encore dans les objectifs. Ouais. Okay. Est-ce que tu penses que le rugby c'est vraiment l'école de la vie? Bah, on l'a vu encore ce soir, je pense qu'avec 6-7 minutes, je pense que voilà, on a fait, je pense qu'on a fait envie encore à pas mal de gens de jouer au rugby. Voilà, c'est l'engouement qu'il y a avec le public et les joueurs, c'est vrai que ça nous a poussé un peu à la fin. Quoi, donc je pense que, Est-ce que le professionnalisme du rugby, il a fait perdre son âme au rugby d'origine? Bah, c'est vrai que le rugby que je jouais pour ma part en tant que joueur à l'école de rugby, c'est vrai que, voilà, c'était avec les copains et là il y a beaucoup de joueurs qui viennent de l'extérieur. Donc c'est un peu ça qui est dommageable de retrouver, de recréer en fait une équipe. C'est difficile quoi, si on n'a pas les copains d'enfance, c'est ça qui fait la force du rugby. Quoi. Est-ce que tu fais des études en parallèle du rugby? J'ai fait un BTS, IRC, et puis là je me suis consacré pleinement au rugby. Depuis quel âge tu pratiques le rugby? Depuis que j'ai 5 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir professionnel? C'est dans la continuité en fait. Du tout petit, je joue au rugby, voilà, c'était un rêve, et puis j'ai eu l'opportunité un jour de pouvoir l'être, et donc moi j'ai suivi ça. Ok, donc t'es un rugbyman qui est 100% rugbyman, parce que tu fais rien d'autre à côté de toi. Non, voilà, pour l'instant c'est ça. Ok, et devenir joueur pro, c'était vraiment un rêve d'enfant, tu l'as dit, et quel est le meilleur souvenir de ta carrière, de ta jeune carrière? Bah, c'était quand on a monté en top 14, je crois, 2-3 ans. Quel est ton joueur préféré dans le monde du rugby? Pourquoi? Je pense que ça représente le joueur, entre guillemets, parfait du rugby. Au niveau du travail, de l'application, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Vers quel sport tu te serais tourné s'il n'y avait pas de rugby? Je pense le foot. Est-ce que tu pratiques des activités en dehors du stade? À part mannequin chez nous. La pêche, le loisir, jouer avec les copains. Et la fameuse troisième mi-temps est toujours d'actualité? Toujours, voilà, je laisse. C'est parti. Posez donc les questions. Est-ce qu'on peut avoir vos ressentis sur le match contre Albi aujourd'hui? Le match d'Albi, c'est les 10 dernières minutes qui sont les plus belles. Ça, c'est simple. Pour une fois que La Rochelle ne perd pas un seul ballon sur 10 minutes, sans faire une seule faute, c'est vrai que c'est super. Mais les 10 dernières minutes, c'est quand même les plus belles de ce match. Depuis combien de temps vous supportez le Stade Rochelet? 20 ans. 20 ans. Alors, 20 ans. Vous en avez passé des choses. Vous avez eu le temps de voir des matchs. Oui, oui. Vous venez à chaque match. Est-ce que vous suivez aussi le Stade Rochelet à l'extérieur? Oui. À tous les matchs aussi? Pas tous. En fonction d'eux, je prends à peu près 50% des matchs à l'extérieur. Ah, bah c'est pas mal quand même. Et quel est votre joueur préféré dans l'équipe du Stade Rochelet? Aujourd'hui? Ou en général? Vous pouvez dire les deux aujourd'hui? Mais non, et en général. Parce qu'il y en a plein et je peux vous les dire. Bah allez-y. Aujourd'hui, c'est Benjamin Ferro. D'accord. Et en général? En général, c'est... c'est dur à dire un nom. Vous pouvez en dire plusieurs? Oui, parce que... il y a Jean-Baptiste Elissade, qui est quand même un joueur qui nous a marqué pas mal. Il y a eu plein de joueurs, et c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Et dans l'équipe actuelle, le joueur qui vous marque le plus? Ah ben, j'aime Ferro toujours. Hein. Ok, très bien. Okay. Ah, mais ça, de toute manière, même s'il s'en va à la fin de l'année... Oh mais non. Okay. À la crier!
Thank you.